depuis 12 ans, des juges d'instruction voulaient entendre Jacques Chirac pour lui demander des comptes. Depuis 12 ans, ils ont été interdits de lui demander ses comptes parce qu'il était président de la République. Finalement, on remet le compteur à zéro, c'est-à-dire qu'on revient 12 ans en arrière. Donc ça peut apparaître troublant ou choquant. On sait aujourd'hui que le nouveau président de la République est un peu gêné par les déboires judiciaires qui arrivent à son prédécesseur. Il n'empêche que la justice en France est indépendante, qu'aujourd'hui, les comptes que les juges voulaient demander à Jacques Chirac il y a 12 ans, eh bien c'est à partir de lundi qu'ils vont lui être demandés. Clearstream, c'est l'affaire la plus médiatique. Il va être entendu dans l'affaire Clearstream comme simple témoin. Les juges vont lui demander s'il avait une connaissance des listings et ils vont lui demander s'il a demandé une enquête au général Rondeau. Ça s'arrête là. Est-ce qu'il sera entendu rapidement? C'est probable. En revanche, il y a d'autres dossiers, ceux qui le visent en sa qualité d'ancien maire de Paris ou de président du parti RPR, ceux-là sont beaucoup plus dangereux parce qu'ils touchent des questions financières. Monsieur Juppé, s'il vous plaît, votre réaction. Monsieur Juppé, pour les Bordelais. La prison, non. En revanche, il peut être condamné à une peine semblable à celle d'Alain Juppé. Puisque de toute façon, une partie des faits pour lesquels Alain Juppé a été condamné sont les mêmes qui sont aujourd'hui reprochés à Jacques Chirac. Pour être clair, si Jacques Chirac n'avait pas été président, il aurait été jugé sans doute en même temps qu'Alain Juppé. Et il était le supérieur d'Alain Juppé. Et c'est un pays superbe. Et Hanoï est une ville très très agréable. Là, voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Ah oui. Oui, il est très inquiet. Il est très inquiet depuis très longtemps, mais l'inquiétude est beaucoup plus grande depuis que l'immunité présidentielle est en passe de s'achever.